Pour souscrire un crédit en ligne, il vous est demandé de fournir plusieurs pièces justificatives. Par exemple, un justificatif d'identité, un justificatif de domiciliation bancaire, un justificatif de domicile, un justificatif de revenu. Cette liste est donnée à titre indicatif, des pièces complémentaires pourront vous être demandées. Pour numériser vos pièces justificatives, vous pouvez utiliser votre appareil photo. Voici comment procéder. Tout d'abord, nous vous recommandons de créer un dossier pièces justificatives sur le bureau de votre ordinateur afin de retrouver facilement vos documents. Vous pouvez maintenant photographier vos documents. Veillez à maintenir votre appareil à l'horizontale au-dessus des pièces justificatives afin qu'elles soient le plus lisibles possible. Essayez de ne pas bouger lors de la prise de vue pour éviter les zones floues et assurez-vous de bénéficier de suffisamment de lumière pour ne pas prendre de photos trop sombres. Une fois tous vos documents photographiés, vous pouvez les transférer sur votre ordinateur. Reliez votre appareil photo à votre ordinateur via un câble USB. Sélectionnez votre appareil photo sur votre ordinateur, ouvrez le dossier dans lequel sont stockées vos photos et glissez-les dans le dossier pièces justificatives créé sur votre bureau. Renommez vos fichiers pour les retrouver plus facilement. Procédez ainsi pour tous les documents photographiés. Pour télécharger votre justificatif d'identité, sélectionnez le type de pièce que vous voulez ajouter. Attention, le poids de chacun de vos fichiers ne doit pas excéder 10 mégaoctets. Dans notre exemple, il s'agit de la carte nationale d'identité. Cliquez sur « Ajouter ». Double-cliquez ensuite sur le fichier situé dans le dossier « Pièces justificatives » sur votre bureau. Répétez l'opération pour toutes vos pièces justificatives. En cas d'erreur, vous pouvez supprimer une pièce en cliquant sur la croix. Si vous ne disposez pas de tous les documents requis, vous pouvez enregistrer la procédure et la reprendre plus tard. C'est fait! Vous avez maintenant téléchargé vos pièces justificatives. Cliquez sur « Suivant » pour poursuivre votre souscription 100% en ligne. Vous pouvez maintenant passer à l'étape « Signature électronique ». CTLM, plus responsable ensemble.